Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Pokémon Go. Donc c'est parti, on va réaliser le petit incubateur d'œufs. Donc celui-ci, ça sera le orange, parce qu'il y en a deux, il y a un orange et un bleu. Vous choisissez la couleur que vous désirez. Il vous suffit de prendre une fiole en verre, de la pâte polymère orange, vous texturez comme je peux le faire à l'écran, et vous le mettez juste en dessous de la fiole. Donc à quoi ça sert de le texturer? Ça va faire quand même une petite marque et ça va faire un petit effet de profondeur. Donc ensuite, vous prenez une pâte blanche, vous découpez une toute petite bandelette et vous allez mettre en dessous, au bord de la fiole. Faites attention de faire une belle démarcation, donc n'hésitez pas à aplatir au maximum avec un outil en silicone comme celui-ci. Et si votre bande n'est pas totalement droite, n'hésitez pas à prendre une lame et de repousser la pâte pour qu'elle soit beaucoup plus lisse et nette. Une fois que ceci est fait, vous rebouchez l'orange avec du blanc. On passe à l'œuf. Donc soit vous faites pré-cuire avant, soit vous mettez la pâte verte comme ceci. Une fois que vous avez réalisé l'œuf, vous allez mettre un tout petit peu de pâte au fond de la fiole pour que l'œuf puisse tenir. Ou vous pouvez également prendre de la polymère liquide. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe au couvercle du dessus. Donc c'est comme le couvercle du dessous, mais pour le dessus. Par contre, il faut absolument recouvrir le rebord de la fiole pour que ça fasse vraiment net et droit. Et donc on va reboucher le trou avec un petit capuchon blanc également. Et vous faites en sorte de ne pas voir la démarcation. Vous pouvez faire également des marquages comme dans le jeu. Et vous passez au four. Ensuite, vous prenez un Posca ou alors de la peinture, c'est vous qui voyez. Et vous faites les petits dessins qu'il peut y avoir sur l'incubateur. Donc voilà ce que ça peut donner. Les Posca sont très très bien pour faire ce genre de détails. Je trouve que c'est très rapide. Je vous laisse cliquer juste ici sur l'image pour accéder au prochain tutoriel Pokémon Go. Et voilà ce que ça donne pour le final. J'espère que ce genre de tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à liker et je vous dis donc à très bientôt.